J'espère que vous allez bien. Donc nous sommes actuellement au mois d'octobre. J'ai pas eu le temps de me poser pour vous parler, pour vous débriefer un peu, vous dire où est-ce que j'en étais. Tout simplement parce que le mois passe très vite. La semaine je suis très occupée, je révise, je vais à la prépa. Donc ça prend beaucoup de temps. Le soir je rentre, il fait déjà nuit et je suis claquée. Je rentre, je mange et je vais dormir. Donc c'est vrai que j'ai pas eu le temps de venir vous parler. Mais du coup là je trouve le moment de me poser et de vous débriefer un peu pour vous dire où est-ce que j'en suis et mon état d'esprit en ce mois d'octobre, en sachant que nous sommes déjà mi-octobre. Donc là en fait, comme je vous ai montré, tous les jours je vais à la prépa, je rejoins un petit groupe d'amis, on s'est fait un groupe de travail pour se motiver mutuellement, ne serait-ce que pour aller à la prépa, se déplacer. Voilà, réviser en groupe c'est mieux parce que du coup on s'entraide, on se donne des idées, par exemple on se donne un thème et chacun dit à quoi ça lui fait penser, ou si on a une question sur telle ou telle matière, ou même pour faire une pause, pour décompresser un peu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore les résultats, donc c'est un peu stressant. Là, le stress commence vraiment à monter, ça devient vraiment très pesant, très lourd, parce que presque 2 mois d'attente avant les résultats, c'est très très long. Donc ouais, là ça commence à monter et c'est pour ça que hier, comme je vous ai montré, on a pris un petit moment ensemble avec le groupe pour faire un petit jeu. On s'est fait un time's up ensemble, moi j'ai ramené le goûter, donc voilà, on s'est fait un truc un peu sympa. Donc ça a permis d'étendre l'atmosphère, de changer les idées et puis de relâcher aussi un peu la pression, parce que c'est vrai que c'est très stressant d'enchaîner tout ça. Et c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine encore, on va le faire jeudi. Parce que voilà, les résultats c'est dans une semaine, c'est vendredi, donc vu que je compte rester chez moi, parce que je vais clairement pas me déplacer, peu importe l'issue, enfin je sais que je sais pas c'est à quelle heure que je vais les avoir, donc me déplacer, et puis même je sais que je vais pas réussir à réviser, donc non, je vais rester chez moi, donc on s'est dit que jeudi on va refaire la même chose. Et voilà, ça permettra, si c'est pas bon, bah, de finir un peu sur une note positive. Et sinon, bah, pour se remettre au travail de façon plus intensive. Mon état d'esprit par rapport à tout ça, c'est que je suis très stressée. Je dors très mal la nuit, je suis très préoccupée. Parce que voilà, plus la date approche, bah, plus on a la pression, c'est normal. Et par rapport aux révisions, donc tous les jours je révise, j'avais un programme en tête, je me souviens plus si je vous en avais parlé. Le but, il y a à peu près un mois, je m'étais fixé que j'allais diviser mon fascicule de révision en 4, donc une partie par semaine. J'ai réussi à tenir ça la première semaine parce que c'était tout ce qui était source, etc. Donc ça peut aller vite, sauf que le problème c'est que j'ai pris un peu de retard. Non pas parce que je ne travaillais pas, mais parce que c'était bien plus long que ce que j'imaginais. C'est-à-dire que par exemple, il y a une fiche sur l'indépendance des juridictions. Et ben à un côté, il faut faire toute une fiche sur le sujet de l'indépendance du parquet. Cette semaine, j'ai bossé le droit à la sûreté. Mais pour bosser le droit à la sûreté, il faut aussi se mettre à jour sur la procédure pénale, la garde à vue, la détention provisoire. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire. Donc en fait, c'est bien plus long parce qu'il y a des thèmes à côté ou des notions de cours à approfondir en parallèle. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Là, je vais commencer la dignité et la bioéthique. Donc là, ça va aussi prendre du temps puisqu'il va falloir ce thème-là le bosser, mais à côté bosser tout ce qui est GPA, donc c'est assez long. Tout ce qui est PMA, là encore c'est long, il y a de l'actu. Tout ce qui est IVG, donc c'est pour ça que ça prend plus de temps et j'avais pas réalisé. Mais bon, au moins ce sera fait. Donc voilà. Et concernant l'anglais, je voulais vraiment faire au moins 3 fois par semaine. Je m'étais dit le soir, mais le soir je suis trop claquée vu que je passe la journée à la prépa. Et donc du coup faut vraiment que je m'y mette. Donc voilà pour l'instant où j'en suis. Donc je vais continuer cette semaine à bosser comme j'ai fait cette dernière semaine. Et on va voir ce que ça donne. Ça va être très compliqué cette semaine je pense. Vraiment plus compliqué. Plus on approche plus c'est compliqué de toute façon. Voilà un peu pour l'update à la mi du mois d'octobre. Et je continue de toute façon à vous emmener avec moi et à vous tenir au courant.